Bonjour à tous, chers amis spectateurs d'LVA, La Voix de l'âme. Je suis ravie d'accueillir avec vous Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Marina, bonjour tout le monde. Alors, je voulais partager avec toi cet instant, avec notre communauté d'LVA, sur le sujet qui t'a lié un certain temps avec ta maman, notamment lorsqu'elle a eu cette maladie qui se génère au cerveau, c'est glioblastome, c'est une tumeur au cerveau qui a conduit ta maman à rejoindre les étoiles aujourd'hui. Et je souhaitais avoir ce témoignage et parler de ces instants que tu as rencontrés lorsque on t'a annoncé et que tu as vécu auprès de ta maman cette maladie qui est juste improbable et incroyable. J'ai eu mes premiers doutes en octobre 2018 où j'ai trouvé des changements d'humeur de maman, de la fatigue, une perte de poids. Donc j'ai commencé à interroger autour de moi et on m'a dit non, mais en fait, c'est toi, tu te fais des idées, tu vois le mal. Ah oui, tu vois le mal partout aussi. Donc vraiment des gros, gros doutes. Donc à partir de là, j'ai dit ok, ça peut être cette petite dépression saisonnière puisque maman était sujette aux dépressions saisonnières. Ok, d'accord, donc je vais me calmer, je vais calmer mes angoisses, je vais travailler sur cette dépression. Donc j'ai essayé de prendre soin d'elle au maximum les week-ends, puisque je travaille la semaine, donc en partant en week-end, en lui proposant des petites visites, des petites sorties. Mais non, ça allait crescendo jusqu'à ce qu'un médecin finalement m'écoute et me dise, peut-être on est passé à côté d'un IAT. Sans gravité. On va voir en janvier, on lui fera passer un scanner. Donc voilà, coup de massue, déjà, IAT, AVC, ben, où je vais. Et au final, j'en parle à maman qui me dit, s'il te plaît, laisse-moi passer les fêtes. Après, je ferai tous les examens que tu veux, mais s'il te plaît, laisse-moi passer les fêtes tranquillement. D'accord? Bonne fifi, j'écoute maman, si, voilà, on prend rendez-vous pour janvier, pas de problème. Sauf que le 30 décembre, je craque. Elle a un petit accident. Elle ne retient pas son pipi. D'accord, OK. Et là, je De pleure. l'homéopathie, OK. Donc là, je vois avec l'infirmier. J'avais déjà mis un infirmier qui venait s'assurer qu'elle prenait bien ses médicaments tous les jours pour de À ce l'hypertension. moment, excuse-moi de te couper, mais Nathalie, à ce moment-là, ta maman, elle était au domicile ou elle était Oui. dans un lieu spécialisé? Non, domicile. D'accord, Domicile. très Et bien. donc, il y avait juste un passage infirmier tous les matins pour s'assurer qu'elle prenait bien son traitement. Parce que ça aussi, j'avais remarqué qu'elle ne prenait plus son traitement régulièrement, en fait. D'accord. C'est peut-être pour l'hypertension. Et donc, j'en parle à son infirmier qui me dit, non, là, allez aux urgences. Allez-y directement. C'est pas normal. Vous faites bien de nous alerter. Donc, voilà, on va aux urgences. Et je me souviendrai toujours de cette énorme horloge où il est mis 11h30 et où la terne revient du scanner en me disant, il y a une tumeur au cerveau. 11h30, le 30 décembre. Mais toi qui n'es pas préparée dans l'annonce et le verdict des médecins, ils t'annoncent de but en blanc ce fait-là, comme ça, ils ne prennent pas, ils arrondissent pas les angles pour t'annoncer cela. Non du tout. Ah Du d'accord, tout. Vraiment. Bon, j'ai vu le sol, hein. J'ai vu le sol de très près. Ah Mais oui. Et oui. donc hospitalisé en neurologie immédiatement. Quand ils annoncent cette tumeur à ta mère, est-ce que ta mère est présente à ce moment-là avec toi? Oui, D'accord. mais elle est très fatiguée, elle est déjà un peu entre guillemets absente. D'accord. Elle subit les annonces, mais je ne suis pas sûre qu'elle les comprenne vraiment à ce moment-là.
D'accord. Est-ce qu'elle était dépitée? Elle réagissait comment à ce moment-là quand le Non, médecin elle ne dit... réagissait pas. Elle était. Oui, d'accord. Là, elle restait sans réaction. Oui. OK. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe en tout cas pour la famille? Comment tu as géré cela? Alors, l'infirmier m'avait conseillé de faire un petit bagage. Donc, je suis vite allée à la voiture. Je suis rentrée à l'hôpital ensuite, donc en plein milieu de la nuit. Hein, donc, le temps qu'elle soit transférée dans le service neurologie, on est arrivé aux environs de minuit et demi, 1 h du matin. Donc, le temps de faire ensuite l'administratif, même si c'est une admission de nuit, il faut quand même remplir les fiches signalétiques. Et là, on me dit qui sera la personne à prévenir. Évidemment, c'est moi. Il est 1 h du matin, je suis seule face à vous. J'ai juste envie de dire, enfin, vous voyez quelqu'un d'autre. Donc là aussi, on prend conscience. On se dit, OK, là maintenant, on est dans un engrenage. Il y a mon nom, il y a mon numéro de téléphone. Allez hop, c'est parti. Et je fais un message au travail chez moi, aux associés, en disant, je quitte les urgences. Demain matin, j'aurai peut-être un peu de retard au bureau. Oui. Donc voilà, et vraiment, tout s'enchaîne. Mmh. Vraiment, tout s'enchaîne. Et là, on rentre, je ne sais pas. En fait, moi, en ce qui me concerne, je dirais presque, le terme à la mode, j'ai presque été matrixée. D'accord. J'entrais vraiment dans ce moule et dans cette dynamique. D'accord. Dans une certaine convention administrative, on doit faire ça, il y a ça, etc. Donc, on n'a pas le temps de penser, de rentrer dans les émotions. À quel moment tu as des doutes par rapport à ce que tu vis et d'une façon très, très comment te dire, dans l'inconfort aussi, dans cet inconfort, parce qu'à un moment, et ça s'enclenche cette analyse, comment est-ce que ça va aller pour le mieux, le fait de la prendre en main maintenant, est-ce qu'ils vont faire quelque chose pour qu'elle puisse continuer à vivre aisément? Voilà, se battre, vraiment, je lui ai promis de me battre bec et ongles, ça c'est vraiment ma phrase, pour que tout se passe au mieux et pour que toutes ses volontés soient respectées. Et pour sa dignité aussi. Il y a la souffrance, il y a la dignité. Mais il y a une part de lucidité à ce moment-là qui lui arrive à ta mère, qu'elle ait échangé comme ça avec toi pour lui dire, pour te dire si à un moment tu vois que je vacille et que je deviens un légume, Oui. je souhaite que tu prennes des initiatives là-dessus. 2 ou 3 jours après, en fait, une fois qu'elle était du coup sous morphine Oui. et sous m'échappe, cortisone. Donc morphine et cortisone, en fait, ce cocktail a fait que l'œdème, la tumeur, la taille a un peu diminué. Donc en fait, là, les douleurs étaient moins intenses. Donc là, elle est revenue complètement, en fait. Donc j'ai retrouvé ma maman parce qu'elle ne souffrait plus. Et là, elle m'a avoué qu'effectivement, ça faisait plusieurs temps qu'elle souffrait, qu'elle avait des nausées, qu'elle avait. Voilà, elle me décrit beaucoup, beaucoup de symptômes, mais qu'elle ne voulait pas nous embêter. Une maman. Et donc là, Sans oui, des tempéraments forts, c'est une femme forte là que tu me décris parce que c'est une femme qui, au-delà de sa souffrance physique, ne voulait pas gêner en tout cas l'entourage familial, donc elle préférait se taire. ça. Mais malheureusement, est-ce que tu penses qu'une tumeur qui soit prise à temps, est-ce que tu as demandé ceci au professionnel? Est-ce que si la tumeur était prise à temps, elle aurait pu avoir une espérance de vie ou pas? Non, les glioblastomes sont vraiment des tumeurs très agressives. En général, l'espérance de vie est de moins de 1 an. D'accord. Donc là, elle a eu la chance que ce soit opérable. Donc là aussi, ça a été une vraie bataille pour qu'elle soit transférée de l'hôpital dans lequel elle était Oui. vers l'hôpital de Nancy, qui est une D'accord. référence justement en neurologie. Oui. Parce que les gens ont découvert en 2020-2021 qu'il y a des priorités qui sont données au moment des soins, mais en fait, ça existe depuis toujours le système de santé est ce qu'il est en France. Et effectivement, on va prioriser, j'y arrivais pas, je vais pas y arriver. On va donner la priorité à des personnes jeunes ou avec des
pas de pathologies ou des pathologies moins lourdes plutôt que des personnes avec des grosses pathologies ou des personnes âgées, ce que je respecte. Mais effectivement, il faudrait que ce soit dit et qu'on nous l'explique, pas qu'on nous dise oui, D'une le collège façon. ne s'est pas encore réuni ou voilà, je préférais que les choses soient dites. Donc, je me suis battue et j'ai réussi finalement à la faire transférer à Nancy et là aussi tout s'est enchaîné et elle a pu être prise en charge et on lui a proposé effectivement une opération. Alors, le diagnostic étant posé, après, il y a l'étape de l'acceptation. Comment réagir et accepter l'état que la personne qui nous est chère ben, a un temps donné. Et là, ce temps est donné par des spécialistes de la médecine où on nous dit, on a un an, vous avez un an pour de vie. Alors en fait, moi j'ai une amie qui est infirmière et qui a fait justement une formation en cancérologie. Elle me disait, les personnes qui apprennent qu'elles ont un cancer savent qu'elles deviennent mourables. Chacun sait qu'il est mortel. Une personne à qui on diagnostique une maladie sait qu'il est mourable. Donc en fait, il est quasiment sûr de savoir de quoi il va mourir et plus ou moins du temps qui lui est imparti. Donc c'est cette différence entre mortel et mourable. Ensuite, deuxièmement, j'ai un travail qui me demande beaucoup d'analyse, beaucoup de recherche, beaucoup de documentation. Donc évidemment, ben, ça transpire un peu dans ma vie privée. Donc je me suis beaucoup renseignée. J'ai posé énormément de questions, vraiment, à partir du début jusqu'à la fin. Je pense qu'à Nancy, le plafond s'allume en rouge lorsque mon téléphone apparaît à la centrale. Hein. Genre, oh mon Dieu, c'est encore elle. Oui. Premier qui décroche a perdu. Donc, je me suis beaucoup, beaucoup renseignée. Et enfin, j'ai la chance d'avoir un entourage exceptionnel, vraiment, des très belles personnes, des amis qui ne me jugent pas. J'ai eu la chance de te connaître aussi à ce moment-là, où tu m'as Merci. apporté beaucoup, où nous avons pu discuter, qui m'a apporté vraiment énormément. Véronique Cano, notre amie commune. Oui. Une amie à moi, sophrologue, qui est juste, je pense qu'elle a vraiment été le fil rouge pendant toute cette épreuve, où justement elle m'a fait prendre conscience de tous les changements qui allaient arriver. Il y avait l'acceptation, il y avait la colère, le chagrin à gérer. Ensuite, lorsque maman a eu une belle année 2019 et la récidive a été prononcée seulement en janvier 2020. Donc déjà, on avait gagné un an. Oui. Pendant ces un an, on a fait beaucoup, beaucoup de choses. À partir de janvier 2020, on a su qu'il y avait récidive et que là, il n'y avait plus de traitement possible, juste de la chimio de confort. Donc, et on me dit, à partir de là, ça va aller vite, janvier 2020. Ouais. Et les troubles cognitifs vont arriver crescendo et un jour, elle ne vous reconnaîtra plus. Dans cette annonce où psychologiquement le corps médical est en train de te préparer et puis comme on entend, tu avais ton entourage restreint mais qui était là à ton écoute et qui savait aussi te donner le retour. Lorsqu'on s'aperçoit que on va rencontrer à nouveau notre mère, mais on ne sait pas comment on va réagir suivant son réveil de sa journée. Est-ce qu'elle va nous reconnaître? Est-ce qu'elle va avoir une vision ou elle va voir une autre personne que moi? Comment ça se passe à ce moment-là, Nathalie? Alors, c'est ce qu'on appelle le deuil blanc. Oui. Donc, la personne est là physiquement, mais cognitivement, c'est pas forcément, ça n'est plus la personne que l'on a connue. Donc, en fait, moi, j'ai pris le parti de ne plus les tester, d'accepter la journée telle qu'elle allait arriver. Donc, des fois, je ne savais pas à qui elle parlait finalement. Et ça m'allait. Plutôt que de dire bonjour maman et qu'elle me dise pourquoi tu m'appelles maman? OK? Ah oui, Donc, une fois. ça fait un choc, c'est un choc Oui, énorme, hein? voilà. Donc une fois j'ai été sa maman, une fois j'ai été sa sœur. Donc à partir de là, j'arrivais, je disais juste bonjour. Et je regardais, j'attendais de voir comment elle allait réagir.
Donc, il y a des fois où je ne savais absolument pas à qui elle s'était adressée pendant mon temps de visite. Et quand tu faisais des visites, est-ce que vous pratiquiez des activités ensemble pour Oui, beaucoup. stimuler les sens? Beaucoup, énormément. Donc, maman aimait lire. Donc, tant qu'on a pu lire ensemble, on faisait, elle lisait, je lui ramenais des livres. À partir du moment où ça a été compliqué, j'ai commencé à lui lire des livres. Donc, et là, le personnel soignant m'a dit qu'effectivement, c'était une très bonne idée, puisque du coup, elle entendait ma voix et que bah, ça la raccrochait toujours aussi à son présent, à sa vie. Et c'était vraiment un moment de partage où je lui lisais des livres, elle entendait ma voix. Bon, attention, hein, je suis pas du tout une comédienne, mais j'essayais de Oui, il y a des intonations. mettre le ton et de la faire rire. Et donc, il y a eu de la lecture. J'ai continué le temps que j'ai pu à l'amener au restaurant, à faire des petits week-ends, à l'amener au zoo, au parc. Des balades au bord de l'eau. Il y a la Moselle qui coule pas très loin. Donc, tout ce que j'ai pu faire, évidemment, parce qu'il y a eu la pandémie aussi, mais tout ce qui m'a été possible de faire, j'ai vraiment mis tout mon cœur pour le faire, pour n'avoir aucun regret aujourd'hui. Dans ce constat des faits, je m'aperçois que tu t'es voué à son bien-être pour accompagner ta maman en cette fin de vie. Comment pallier ta vie active, ta vie personnelle de femme, de responsable, etc., avec une personne qui... ben c'est, ou en tout cas toi tu es au courant concrètement dans la vie active que ta mère elle est en train de s'échapper en fait, elle t'échappe. Comment tu vis justement émotionnellement ce deuil? Comment tu vas dépasser ça? Est-ce que tu vas aller là, dans une recherche en profondeur vers toi ou tu prends vraiment une étape, comme une responsabilité en disant, je me dois d'être là. Voilà. Non, déjà, c'est carpe diem. OK. Je vivais le jour au jour le jour. J'ai un poste à responsabilité, un travail qui me passionne, que j'adore, dans une entreprise qui me respecte, très, très humaine, qui a vraiment compris ce que je vivais. Donc, j'ai été transparente avec eux et j'ai eu carte blanche. Oui, Donc, complètement. déjà, et, oui, vraiment. Et donc, là, j'ai eu cette chance, effectivement, d'être comprise, entendue. Donc voilà, j'avais cette partie travail qui me demande beaucoup, beaucoup de réflexion, comme je disais, et d'être concentrée. Je n'ai pas le choix. Ensuite, il y avait mes amis, donc la brunchothérapie, l'apérologie, qui m'ont Ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée. Beaucoup aussi de paroles, mais aussi des silences. Des fois, ça fait du bien juste de se poser avec des personnes et ne pas parler. Des balades. Vraiment beaucoup aussi, un peu de thérapie, voilà, avec des discussions avec Martine, donc mon amie sophrologue, Véronique Coutois. Donc voilà, j'ai évidemment maman. Donc j'ai trouvé mon équilibre en fait, où lorsque j'étais au travail, j'étais au travail. Lorsque j'étais avec mes amis, je profitais au maximum du temps avec eux. Et lorsque j'étais avec maman, effectivement, là, je me dévouais complètement. À son bien-être et à son confort. Vivre le moment présent. Alors, quand nous parlons justement de ces étapes que tu as vécues face à cette maladie dégénératrice, je voulais aussi mettre en évidence ces états qu'elle a pu rencontrer, ta mère, dans son parcours, c'est-à-dire une perte de mémoire, difficulté de langage, peut-être susciter aussi un propre jugement vis-à-vis d'autrui et de son incapacité physique. Il y a aussi des douleurs ou pour des douleurs psychologiques, j'y tiens.
et des douleurs physiques qu'elle a pu avoir pour faire ou réaliser des tâches qu'on lui demandait dans l'institut par rapport à après qu'elle a été placée. Et son humeur aussi devait être contraignante parce que même si elle ne te reconnaît pas, il est possible qu'elle rentrait peut-être dans un état de colère ou de néant, etc. Ces variations. Comment on peut, d'une façon aléatoire, mais tenter de gérer ces états quand on est un des proches à côté? Alors, contrairement à un Alzheimer, en fait, justement, son humeur n'était pas, elle n'est pas devenue agressive, jamais. Donc ça, c'est déjà une chance. Mais effectivement, des incompréhensions de langage où elle avait vraiment des difficultés à s'exprimer, où elle commençait une histoire, le milieu de l'histoire n'avait rien à voir avec le début, et alors évidemment, la troisième partie n'avait rien à voir ni avec la deuxième partie, ni avec la première partie de son histoire. Donc, essayer de juste d'être là, d'acquiescer, évidemment, de ne pas essayer de la corriger, parce que là, c'est là qu'elle ne comprenait pas. Donc, juste accepter. Et on a l'impression d'être schizophrène, hein, vraiment. Oui, oui, J'avais vraiment oui, oui. l'impression de dire, voilà, je n'y peux rien, elle n'y peut rien, il faut juste accepter. Et là, tu arrives dans une étape de l'acceptation. Cette acceptation de cette maladie, et je vais en venir à la fin de vie. C'est-à-dire que déjà en 2019, on t'annonce ça. En 2020, La récidive. voilà la récidive, et on s'aperçoit que là, maintenant, on est en 2022 et ta maman, Maria, a rejoint les étoiles en septembre 2022. Il y Donc, a 3 mois aujourd'hui. voilà. Et c'est vrai que tout à l'heure, en me connectant avec toi, je vois qu'il y a un aura, une puissance, alors christique, moi je l'appelle, c'est une puissance d'amour. Quand nous vivons une fin de vie et que nous savons que peut-être que demain, le personnel médical va t'appeler pour t'annoncer que ta mère ne s'est pas réveillée, comment on vit cet instant? Alors moi j'étais là. C'était mes congés d'été, en fait, les 2 premières semaines de septembre. Donc les 15 derniers jours, j'ai vraiment pu l'accompagner tous les jours. Donc toujours des massages de mains, du parfum, travailler sur les odeurs. Donc vraiment, j'insistais pour qu'elle ait son parfum. Ça a été des musiques. Maman était italienne, donc des chansons italiennes. Ou passer des morceaux de musique qu'elle aimait bien. Donc, comme tu disais, elle s'appelait Maria. Donc, évidemment, l'Ave Maria. des prières. Oui. Là, j'ai découvert que le Notre Père, il y avait une nouvelle version. Ah, d'accord, ok. Peut-être qu'on Oui. oublie le dernier paragraphe aussi souvent, hein. Voilà. Donc, là, j'étais un petit peu surprise. Mais le chapelet, donc, elle avait un chapelet de Lourdes. Et un chapelet aussi de la grotte de Marie-Madeleine, de la Sainte-Baume. Voilà, travailler sur le chapelet, puisque évidemment, en étant italienne, elle avait été vraiment éduquée dans cette religion catholique. Voilà, des prières, alors que personnellement, je ne suis absolument pas pratiquante. Mais voilà, travailler sur l'ancien. Sur ses mémoires, si elle pouvait encore avoir des petites étincelles de mémoire. Et donc, comme je disais, donc les 15 derniers jours, j'ai vraiment été là tous les jours, absolument tous les jours, du matin au soir. Il m'était impossible de rester dormir la nuit. On me l'a proposé, mais là, je ne dormais pas chez moi, hein, mais non, c'était beaucoup trop anxiogène pour moi et je ne suis pas sûre que ça lui aurait fait du bien. Et le dernier jour, j'étais là, elle est partie dans mes bras. Et lorsqu'elle est partie, justement, est-ce que tu as vécu une libération en procuration, c'est-à-dire que tu as senti son être qui partait, mais en même temps, c'était logique. C'est comme si fatalement, c'est irrémédiable de toute façon. Oui, lorsqu'elle a rempli ses directives anticipées, elle avait été claire, pas d'acharnement, juste du confort. Donc, c'est vraiment ce qui a été mis en place avec l'équipe médicale. Donc, moi, j'ai ressenti personnellement une certaine sérénité. Je l'avais accompagnée,
J'avais tenu toutes mes promesses, j'étais là. J'étais là. Ça, c'est même le plus beau cadeau qu'elle m'ait fait. Attendre que je sois là. Elle aurait pu partir la nuit. Donc, non, je pense que ça a vraiment été la dernière étape. Oui, tout Et simplement. je n'ai pas senti de souffrance quand elle est partie. Elle s'est éteinte. Oui. Elle a essayé de respirer. Cette étape, donc, nous comprenons que par le partage de différentes phases avec un proche qui est atteint de cette maladie et qui a un temps donné de vie, aujourd'hui, comment tu en ressors de tout ça, de toutes ces expériences? Forte, vraiment forte, sereine, extrêmement sereine, parce que comme je te disais, j'ai pu vraiment respecter ses volontés, me respecter aussi, puisque des fois c'était trop dur, mais vraiment peser le pour et le contre et dire, il y a des fois je n'étais pas en capacité d'y aller avant que ce soit dans la phase ultime. Ou dire non, aujourd'hui je suis fatiguée, je vais prendre du temps pour moi, je vais aller prendre l'air, me ressourcer en forêt. Donc il y a vraiment eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes, l'acceptation, la colère, le chagrin, mais au final, cette fierté d'être restée là, je ne dis pas que c'est évident, je ne dis pas que c'est à la portée de tout le monde. Après, on ne le fait pas pour soi, on le fait aussi pour la personne qui est en face. Et encore une fois, vraiment, je ne suis pas là pour donner des leçons, mais moi, j'étais en capacité de le faire. Ça a apporté beaucoup à maman et ça m'a beaucoup apporté aussi. Et aujourd'hui, je suis sereine, vraiment, et ça me Oui. permet ben voilà, d'avancer, de pouvoir intervenir avec toi. Et puis de pouvoir échanger sur tes expériences, ces étapes que tu as vécues, ces étapes aussi que Maria aussi a traversées, et d'en ressortir, j'ai envie de dire, avec une force, une force et une grande sagesse par rapport entre ce lien entre la vie et la mort. On s'aperçoit. Pour les gens qui ont traversé des morts imminentes et qui sont revenus à la vie, ils expliquent que lorsque nous quittons ce corps physique, nous allons dans une béatitude, dans une autre énergie qui nous apporte un amour inconditionnel profond où on ressent en fait ce voile autour de notre être qui lui-même n'existe plus en la matière. Et je suppose, je pense que Maria a ressenti cet élan pour rejoindre la lumière. Nathalie, avant de se laisser, et je m'aperçois que émotionnellement, il est venu des pleurs, des larmes qui sont coulées sur tes joues. Mais je n'ai pas voulu, par pudeur, comment te dire, te couper dans l'élan de l'explication pour venir à ton confort, parce que je trouve ça, de mon point de vue, merveilleux de s'exprimer comme tu es en train de faire, de partager tes instants intimes avec le proche qui a traversé aussi cette maladie, et toi, en tant que témoin de ce vécu-là, tu nous bouleverses, tu nous fais traverser d'une façon simple, mais en même temps avec un amour inconditionnel vers ta mère, qui nous remplit de gratitude envers ce que tu as vécu. Et merci pour cela, Nathalie. Écoute, merci beaucoup à toi, merci pour cet échange. Et je cite beaucoup depuis le départ de maman une citation de Victor Hugo. Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. En fait, les personnes ne nous quittent jamais vraiment, leur âme est là, leur souvenir est là. Donc, je trouve important de faire perdurer leur souvenir. J'ai eu la chance au mois de décembre d'intervenir dans les soins palliatifs dans lesquels elle s'est éteinte en tant que bénévole. Je suis allée deux samedis faire de la lecture aux personnes malades de contes et légendes de Noël.
Et le fait de t'être déplacé là-bas à nouveau, sans pour autant croiser physiquement ta maman, mais pourtant elle faisait partie du tout, comment tu as ressenti cet instant? La route était difficile, puisqu'en général, effectivement, je faisais la route et je la retrouvais. Mais non, une fois que j'y étais, c'était assez facile. Un très bon accueil du personnel soignant, de certains patients qui me reconnaissaient, que j'ai connus de nouveau, qui ont vraiment apprécié la démarche. Donc non, au final, un moment très convivial, très simple, très beau. Donc, pas plus compliqué que ça. Avec simplicité. Nathalie, je te remercie en tout cas d'avoir fait ce partage avec nous, LVA, la voix de l'âme, cette communauté qui s'agrandit de plus en plus. Bientôt, il va se passer les fêtes. Qu'est-ce que tu conseillerais à notre communauté ou qu'est-ce que tu leur dirais? De profiter de la vie, de profiter des personnes que l'on aime, de parler, de vraiment de se parler, de clarifier des choses qui peuvent être source de problèmes ou de conflits, pour ne pas partir fâchée, ce que j'ai eu aussi la chance de faire avec maman, où nous avions quelques points de désaccord, et non, parler, partager, vraiment. Merci Nathalie, je te dis à bientôt. Merci beaucoup à toi. Au revoir, à bientôt.